à tous, c'est Shaker. C'est samedi soir, toujours au Paris Games Week, et je suis en compagnie de Lexi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Lexi et je suis une streameuse. Et cosplayeuse. D'accord, merci. Présentation simple et concise. Du coup, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, t'as dit. Il y a un mec qui fait le con derrière la caméra, ça me perturbe. Bref. Donc, t'as dit que t'étais une streameuse. Sur quel jeu tu streams? Je stream principalement sur League of Legends. Mais sinon, je me diversifie un petit peu pour mon public. Je fais du Dota, je fais du Diablo et tout ça. Enfin... Donc, un jeu de référence, mais est-ce que même tu joues à des jeux, enfin, pas complètement cons, mais vraiment très divers, ou tu restes quand même sur des MOBA ou... Oui, divers. J'ai fait Rust la dernière fois. C'est bien drôle. D'accord. Depuis quand tu streams? Comment t'es arrivé au stream? Est-ce qu'avant t'étais une joueuse professionnelle? Est-ce que tu t'es mis comme ça? Comment t'en es arrivé là? Depuis quand tu fais ça? Je fais ça depuis janvier. Très récent. Ouais, c'est récent, ouais. D'accord. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Avant, tu faisais quoi avant le stream, avant janvier? Avant janvier, j'étais dans une équipe de filles. Et bon, notre but était compétitif, mais on n'a pas... Sur League of Legends, je crois. Sur League of Legends, mais on n'a pas percé en fait. Vu que le niveau il était malheureusement trop bas. Donc du coup on est un peu parti chacun de notre côté et on a fait du stream. D'accord. Donc du coup ça a pas vraiment marché au niveau compétitif sur League of Legends, donc tu t'es rabattu sur le stream indépendant. Dans un premier temps tu streamais toute seule. Oui. Et maintenant apparemment tu t'es fait recruter par une structure. Voilà. Maintenant je suis chez Imagering Gaming. Est-ce que tu peux t'en dire un petit peu plus sur cette structure? C'est une structure c'est une multistructure qui a plusieurs trucs. Elle a une team StarCraft avec des très gros joueurs, dont Targa, et une équipe Counter-Strike féminine qui est arrivée deuxième place au EWC cette année. Effectivement, qu'on a interviewé lors de la PXL avec, il me semble, Princess, c'est bien ça? Oui. D'accord. Merci déjà pour toutes ces informations. Pour finir, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur le futur? Comment tu vois le futur à court terme, moyen terme? Tes objectifs, projets, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais continuer le streaming et je vais ouvrir une chaîne YouTube. Ah, info exclue? Comment? C'est info exclue, tu t'en as déjà parlé, c'est prévu? Oui. Ah, bon, c'est pas exclu, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire sur cette chaîne? Je vais mettre tous mes replays de mes streams déjà, les petites parties rigolotes et tout ça. Voilà. D'accord. Mais très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux rajouter un mot pour finir. Non, c'est bon. Likez ma page Facebook. Qui s'appelle Lexi? Lexi, mais il y a 3 i dans Lexi. Et bien d'accord, donc allez liker la page de Lexi avec 3 i. Merci et puis IE. Merci et à la prochaine.